Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo et la vidéo va consister à quoi? Je vais faire une pile pioche, on va dire plutôt pioche à lire parce que voilà, je suis pas sûre que je vais lire tous ces livres, mais j'ai envie de faire cette pioche à lire pour l'été et pour vous remontrer quelques livres que je dois une geste pas possible. Que je dois lire, voilà. Du coup, j'ai commencé ici, il n'y a pas longtemps, Emma Gray, que je voudrais bien aussi continuer, parce que j'ai les 3 tomes dans ma palle, du coup, voilà, je suis occupée au tome 1. On verra ce que ça concerne. Enfin, pour le moment, j'aime bien, mais je vous en parle pas, parce que je fais un vlog dessus. Allez voir le vlog qui sortira, enfin, qui sort... Je pense qu'il sera sorti quand vous verrez cette vidéo parce que celui-là, je vais la mettre le lundi. Après, j'aimerais bien me lire... Tadadam! Il est trop beau, j'aime bien ce livre. Mes pires vacances ratées de... Je ne sais même pas le nom. Morgan Takamatsu. C'est le livre de poche, je ne sais pas comment... Voilà, il est trop beau. Bon, le derrière, il n'y a pas... Des patounes. Il y a des petites patounes. Ici, on va suivre une jeune Andia, une jeune fille qui avait projet de partir, projet de passer un été parfait, mais elle va être corvée, promenade toutou et c'est pas les vacances qu'elle comptait avoir. Voilà. Après, j'aimerais bien me lire ceci. Par contre, c'est un petit pavé. Pas combien de pages il fait. Ah ouais, 543 avec le remerciement. Voilà, tout ce que je sais, c'est un privilège édition romance MM. Voilà, c'est tout ce que je sais, c'est de Maria H.J. C'est un livre non édité, voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle et j'ai vraiment pas envie de me plonger dans la quatrième de couverture. Voilà, mais il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui qui me tente depuis très longtemps, qui est dans ma palle depuis un moment, mais que je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à sortir. Il est trop beau en plus. Et en plus, les petites chapitres, je sais pas si vous allez voir, ils sont trop beaux. Voilà, ici c'est Love Disaster. De Nina Wop. Voilà, c'est aussi un nom édité. Sera-t-elle prête à risquer sa vie pour une fille qu'il connaît à peine? Voilà, tout ce que je sais, voilà, j'ai pas envie non plus. Voilà, je trouve que ça fait fort été, les shorts, les motos, du coup, voilà, je l'ai sorti. Après, celui qui n'a pas très longtemps qui est arrivé, mais qui me donne très envie et qui donne fort l'été, qui est Survif de chez Nathan, de Elisabeth Avadoko, traduit, ouais, c'était traduit bien sûr parce que c'était en anglais, et je le regardais passer. Voilà, et on a parlé qu'il allait sortir en français, du coup je me suis procuré. Je sais juste qu'on va suivre une jeune femme, enfin jeune. Je crois qu'elle a une vingtaine d'années. Elle est encore au lycée, c'est ça. Elle est jeune femme de couleur. Elle va au lycée, elle travaille et elle a une petite fille de 2 ans. Et elle doit jongler entre les deux. Et je voudrais bien voir comment va se passer. J'aime bien le truc. Parce que maintenant, c'est vrai que un autre... Enfin, je suis quand même plus vieille. Mais beaucoup de jeunes maintenant ont un enfant à partir de 16 ans. 16-17 ans, et il doit jongler entre l'école et parfois peut-être même le travail parce que voilà, parce que le papa et maman ne veulent pas prendre soin d'eux. Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas qu'ils veulent pas prendre, mais ils veulent qu'ils prennent des responsabilités. Et du coup, voilà, et ça me donne très envie de me le faire. Voilà. Puis, il y en a un autre qui est aussi un non édité qui est celui-là. Il est pas mal, ce beau torse. J'en ai pas des masses en moi, dans ma pile à lire des torses. Du coup, voilà. Celui-là qui me tente vraiment, Fenken Love, un fort play d'Amélie C. Archia. Voilà, le tome 1. Il y en a 7, je pense.
Voilà. Il me tente beaucoup aussi. Je ne sais même pas du tout de ce qu'on parle. Bienvenue dans l'univers de porno gay. Chez Funko, by le mode du X est revisité. Voilà. Tout ce que je sais. J'ai vraiment pas envie de me plonger. Si vous voulez, il est à 14 euros. Il est pas cher et la couverture est trop belle. Après, celui que j'ai reçu hier, qui est tout loulou, il est trop beau aussi. J'aime moins le jaune parce que c'est pas ma couleur préférée, mais je trouve que couleur jaune donne bien à l'été. Voilà, du coup, j'ai envie de me plonger. Je sais juste que. Attendez. Excusez-moi, je vous plaît. J'ai reçu un colis que j'ouvrirai ça après. C'est la Wookbox. Du coup, voilà, je sais plus où j'en étais. Excusez-moi, je suis essoufflée. Deux étages, c'est. Du coup, je vous disais, on va suivre dans un. Enfin, Poppy. Dans son ancien lycée, Poppy était le seul élève trans. Lassé d'être le centre d'intérêt, il décide de ne rien dire à ses nouveaux camarades. Mais il n'avait pas prévu de tomber amoureux. Donc Poppy rencontre Géranina, Pop'em Girl, à la repartie d'enfer. Son cœur s'emballe tandis qu'elle se rapproche. Poppy comprend qu'il va devoir être honnête avec elle et lui parler de son passé. Comment Géranina va-t-elle réagir? Comprendra-t-elle pourquoi il a caché la vérité? Une comédie romantique plein au cœur sur le sujet important. Ouais, on n'en parle pas tout le monde trans. Du coup, je me dis pourquoi pas en parler, le lire et vous le chroniquer. Voilà. Et alors, le petit nouveau aussi qui était en même temps, mais qui donne très envie, c'est Mark Men, tome 1, Rule. Voilà. J'aime pas ces couvertures-là. J'essaie de vous choper la couverture que je voulais à la base. Attendez, hein. Il faut que je retire deux livres avant de le choper. Mais du coup, je vais le mettre en vente. Parce que je ne l'aurais pas. J'aurais bien voulu ces couvertures-ci. Regardez comme elles sont plus belles que ça. Elles sont plus belles quand même. Que vous en voyez. Celui-là, c'était le tome. Je ne sais pas combien. Je sais que ce n'est pas le premier tome. Du coup, voilà. Mais j'aimais mieux ces couvertures-là que ceux-là. Voilà, et j'avais eu pour 7 euros. Du coup, j'essaie de le revendre. Et de toute façon, ceux-là, je les ai tous. Il y en a 7, je pense. Voilà. Du coup, à part si je pouvais me la procurer comme ça. Parce que franchement, quand vous voyez ça à ça, la couverture là, elle est plus belle quand même. Voilà la différence. Je trouve que ces couvertures sont plus belles, plus colorées, plus magnifiques, quoi. Voilà. Mais voilà, je ne sais pas encore. Du coup, voilà les livres que j'aimerais bien lire pendant, on va dire, jusque septembre, mi-septembre. Mais ça m'étonnerait que je lise tout ça. Voilà. Bon, il y en a un qui a déjà commencé, c'est déjà pas mal. Voilà les livres que j'aimerais bien. Voilà la pile. Mais je ne suis pas très sûre. Bon, celui-là, il est déjà commencé. Voilà. Du coup, on se tient au courant, on joue, voilà. Du coup, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!